Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai ressorti un DP, j'avais pas travaillé dessus depuis très longtemps, c'est pas un grand pourtant, c'est ma reproduction d'un dessin de chez Emmanuel Collin, voilà. C'est vrai qu'à l'époque, j'ai pas fait gaffe. Hein. Je l'ai pris alors que là, bon, c'est le dessin d'une créatrice. Et ben, du coup, bon, il a été un peu volé par ce magasin-là pour faire un DP. Mais bon, maintenant, je fais attention. Je dis que je fais attention parce que, bon, nous, en France, je crois qu'il n'y a pas encore eu de soucis, mais ça pourrait arriver. C'est surtout en Amérique, les youtubeuses qui font du diamond painting, il y en a plusieurs qui ont été embêtées, qui ont été poursuivies par les créateurs, parce qu'elles faisaient des DP avec des illustrations qui n'avaient pas d'autorisation, voilà. Mais bon, je trouve ça un peu dégueulasse de s'en prendre justement aux youtubeuses, à celles qui font du DP. Nous, les DP sont dans des boutiques. C'est aux boutiques à faire gaffe de ne pas vendre n'importe quoi quand même. Et je trouve que là, les créateurs, au lieu de se retourner contre les youtubeuses, de déposer plainte contre elles, c'est pas contre les filles qu'il faut déposer plainte, c'est contre les boutiques qui vendent les DP contrefaits. Voilà. Bon, pour l'instant en France, j'ai pas encore entendu de soucis comme ça, mais voilà, faut faire gaffe. Quand vous prenez des DP, si c'est des DP d'un illustrateur, d'un créateur, il faut regarder si la boutique rémunère ses créateurs ou pas. Voilà. Si elle ne les rémunère pas, ben, vous achetez pas. Donc voilà, une petite parenthèse que je voulais faire parce que comme j'ai ressorti ce kit-là, bon, il faut que je le termine, hein, je l'ai commencé. Alors, par contre, je ne vais pas vous remarquer le nom de la boutique en dessous, pas à cause de ce souci-là, c'est que la boutique n'existe plus. Voilà, je viens de m'en apercevoir en voulant préparer ma vidéo. C'était Craft Art Club et la boutique n'existe plus pour l'instant ou définitivement. Le site est complètement... Enfin, on peut arriver sur une page, mais c'est une page d'erreur. Voilà. Le site est complètement fermé. Donc, je ne vous mettrai pas de lien pour retrouver ce kit ou le lien de la boutique, puisqu'il n'y en a plus. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est pas Chouchou qui fait du diamond. C'est moi. Voilà. Et j'ai profité pour... alors, attendez, j'ai oublié de préparer, par contre, là, le nom de la boutique. Mon petit carnet magique. Je vais vous dire ça tout de suite. J'ai profité, donc, je vous disais, pour utiliser mon nouveau stylet. Ouais, c'est celui-là. Donc, je l'avais eu à la boutique Everyday Deal. Voilà. Donc, il y avait plusieurs embouts. Il y en a un comme ça. Il y en a un comme ça. Hop, hop, hop. Et on avait une petite boîte avec différents embouts. Voilà. Hop. Je ne sais pas les faire tomber. Si, ça va tomber. Bon, je vais vous les montrer un par un. Ce sera plus simple. Voilà, il y avait celui-là pour 3, celui-là pour 1 et celui-ci pour 9. Voilà. Et il y avait le... oui, ma fifi, le plat. Voilà. Juste pour repousser les perles.
Voilà, alors ça par contre, je vais vous remettre le lien, puisque ça existe toujours. Alors, ce que j'en pense, bon, c'est un peu plus lourd que... Comment? Qu'un stylet lambda, hein, tout simple. C'est un tout petit peu plus lourd, mais bon, c'est pas gênant. La prise en main est très bien. Alors, les 10 premières perles, j'ai un peu hésité, puisque là, la pointe courbée, j'en avais jamais utilisé. Mais c'est bon, ça y est, là j'ai pris la main, il n'y a aucun souci, c'est nickel, voilà. Et je trouve que la main fatigue moins avec la pointe courbée, c'est mon avis. Donc voilà, donc ça je vous remets le lien en barre d'infos pour que vous puissiez le retrouver si jamais ça vous intéresse, voilà. Il y a plusieurs couleurs, hein. Ça existe dans plusieurs couleurs. Donc voilà, bah écoutez, je vais vous laisser, je ne vais pas papoter plus longtemps parce que la vidéo est un tout petit peu longue, enfin longue, une petite heure. oui, mon bébé. Comment? Pour voir mon avancée sur ce DP. Bon, je pense que il me restera deux ou trois fois à faire dessus et puis il sera terminé. Voilà, c'est mon défi du moment, il faut que je le termine. faudrait aussi que je m'attaque à mes deux grands, là. Oui, mon bébé. Oh, j'ai été plein d'amour, ces petits bébés, là. Hein, c'est plein d'amour, ce petit bébé. Oh, il faudrait que je m'y mette aussi, parce que là, j'ai pas d'avance du tout. Oui, elle est amoureuse de sa maman. Ah, t'es amoureuse de maman? T'es amoureuse de maman? Oh oui, elle est amoureuse de maman. Maman aussi, elle est amoureuse de toi. Bon, je vais vous laisser visionner. Si vous avez des questions, des remarques, tout ce que vous voulez, ou juste dire bonjour, ça se passe en commentaire, n'hésitez pas, vous savez que je vais répondre. Puis ça fait toujours plaisir de vous lire. Au passage, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, ben, allez-y, abonnez-vous. Voilà, ça coûte pas cher, c'est gratuit. Et puis activez la petite cloche, comme ça vous aurez l'actualité de ma chaîne dans vos notifications. Voilà, j'ai des vidéos, j'essaie de poster minimum une vidéo par jour. Hein. Bon, le week-end peut-être moins, mais au moins une par jour. Donc, j'essaie de faire mon possible. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Allez, je vous fais plein... je vous fais plein de gros bisous. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.
Thank you.